fait maintenant plus de 5 ans que Fabrice Ondoa n'a plus été appelé en sélection nationale. Le champion d'Afrique 2017 n'avait plus eu l'honneur de défendre le Cameroun. Tout laisse à croire qu'il sera de retour pour le match opposant le Cameroun au Mexique le 10 juin prochain à San Diego, aux USA. Héroïque lors de la CAN 2017 au Gabon avec le Cameroun, Fabrice Ondoa aura marqué les esprits des Camerounais. Et malgré sa carrière en club qui ne décolle pas du fait des signatures dans les clubs de deuxième voire troisième zone, le retour du natif de Yaoundé était très attendu au sein de la tanière. Les raisons de cette attente sont sans doute le souvenir glorieux de ce jeune joueur. Même si ses résultats avec les Lions lors de la qualification pour la Coupe du Monde 2018, où il prend 4 buts face aux Super Eagles du Nigeria, ou encore une Coupe des Confédérations catastrophique pour lui sortie au premier tour, Ondoa reste l'un des meilleurs gardiens du Cameroun. Sa convocation par le manager sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song, est vue pour ses supporters comme le retour du fils prodige dans la tanière. Mais en attendant, le retour d'André Onana est aussi annoncé. Qui des deux aura les faveurs du sélectionneur? Just wait and see. AudioJungle.